Léonie fait beaucoup à la remarque du cinéma américain. Le OK. directeur du département de la caméra, le service technique caméra, il s'appelait Dennis Gilson, on l'appelait Gobo Gilson, parce qu'il nous enseignait, il enseignait au directeur photo qui allait là, à travailler comme les Miss Américains. C'est-à-dire qu'on mettait un éclairage très fort, puis ensuite on mettait des écrans, des gobos, pour tamiser puis créer une atmosphère qui ressemblait à celle des longs-métrages d'Hollywood à l'époque. Très vite, les caméramans, pas seulement les francophones, les caméramans anglophones aussi, se sont révoltés contre ça, toute cette génération-là. On n'avait pas tout à fait les outils pour le faire. Moi, quand je suis arrivé à l'office du film, les premiers films que j'ai faits, l'enregistrement puis du son, en parallèle avec l'image, c'était un grand problème. Fait qu'on avait des pellicules sur lesquelles il y avait une bande qui permettait d'enregistrer le son en parallèle avec l'image. Mais ça, il y avait un décalage de 28 images, en tant que je m'appelle 28 ou 24 images, entre cette lecture-là puis la lecture de l'image, de sorte que quand on apporte à quelqu'un, si je t'interviewais par exemple, je t'aurais dit, commence à jouer les lèvres Avant. avant que je te OK. réponde pour que ça rattrape le décalage. OK. Puis l'instrumentation, l'enregistrement de son, c'était énorme. On avait trois grosses caisses qu'on mettait ça. Fait qu'on était à la recherche d'une technologie plus libre, plus souple. Puis il y avait un mouvement de révolte qui se développait à l'intérieur des services techniques. Les jeunes techniciens comme Michel Beau ou anglophones comme Terence McCartney Ferguson, ils cherchaient d'autres choses. Puis est arrivé tout à coup de Londres, un petit film qui s'appelait Mama Don't Allow, qui OK. était fait par Tony Richardson, OK. qui est un héritier du free cinéma Ouais, là, c'est en ça. Angleterre. Et ça a été une révélation. Mama Don't Allow, c'est un film d'une demi-heure qui raconte comment des jeunes Anglais passent une soirée le samedi là, dans un pub. OK. Ils avaient tourné ça avec des caméras qui n'étaient pas synchrones avec le son. Alors, ils avaient tourné ça avec une petite réflexe sans blime, qu'on appelle, Protecteur sans pour protecteur sonore, insonoriser. puis avec un son libre qui ne tournait pas à la même vitesse. Mais ils avaient raboutiné le son OK. avec l'image pour essayer de donner un peu de synchronicité à ça. Puis le film est intéressant, mais nous autres, on n'en revenait pas parce que ces caméras-là, on les connaissait, on s'en servait pour faire de l'image, c'était léger et tout. Mais ça faisait longtemps qu'on se faisait dire, utilise pas ça quand tu tournes une séquence sonore parce que la caméra fait trop de bruit. OK. Alors, c'est Michel Beau avec Marcel Carrière qui ont tourné Les Racketeurs, qui la première fois ont fait comme Tony Richardson avait fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont tourné les racketeurs avec une caméra réflexe sans protection sonore, OK. puis ils ont une petite enregistreuse, puis qui ont mis le son ensemble par la suite en corrigeant les décalages au montage. OK. Puis ça, c'est apparu comme une révélation. On s'est mis à chercher, je parle de toute l'équipe, l'anglophone, francophone, l'ONF, tout le monde cherchait de l'équipement léger où on pourrait synchroniser le son et l'image. Ce que ta caméra iPhone a fait sans y penser aujourd'hui. Et le service technique de l'office du film a même travaillé à essayer d'inventer une caméra pour ça. Ah oui, Mais finalement, la réflexe est arrivée avant qu'ils aient terminé, puis ensuite la caméra éclair, qui eux s'étaient attaqués au même problème, puis l'avaient résolu. T'sais. OK. Le réflexe qui arrivait, puis plus tard l'éclair était supérieur, la caméra éclair, permettait d'enregistrer sans faire de bruit, puis permettait un synchronisme avec le son, mais à l'aide d'un câble qui s'appelait le pilotone. Et on a tourné plusieurs années avec ces choses-là. Mais à ce Puis on moment-là, cherchait à libérer, mais je sais pas si. On cherchait quand même à se libérer du câble. OK. Et puis ça, c'était une invention qui est arrivée de l'extérieur aussi, je sais pas d'où elle venait, mais de synchroniser le mouvement et la caméra et le mouvement de l'enregistreur sonore sur un cristal dont la fréquence est toujours stable. Alors, grâce à ça, on a pu séparer enfin l'image et le son, OK. avoir des appareils très légers qui permettaient d'aider le monde.
plus de flexibilité. Ouais. Puis là-dessus, c'est greffé une esthétique. C'est-à-dire que l'esthétique est née de l'expérience des réalisateurs, surtout des directeurs photo. Michel Beau disait, par exemple, je préfère tourner avec une 9 mm qu'avec une 50 mm, parce que la 9 mm m'oblige à être près de la personne puis d'entrer en relation avec elle. Je ne peux pas juste capturer son image de loin sans qu'elle le sache. Mm-hmm.